J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Est-ce que ça va bien, Nolan? Ça va très bien, toi? Est-ce que vous, ça va bien? Parce que j'espère que ça va bien. Donc, Est-ce que vous allez bien? posez-vous bien. Parce que là, alors je vais pas tout les faire tomber. Juste avant cette vidéo, il y a eu un petit drame avec Pas ce du tout. paquet. Mais il n'y a rien de cassé, donc ça tombe Je bien. vois pas de quoi tu parles. Boum! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets! Ouais. Du bloc d'épée, une nouvelle fois. C'est tout, du surplus. Ici, donc C'est peut-être du des bonus. upgrades. Évidemment, il y a des upgrades, donc on va découvrir ça. On n'a pas eu le temps. Alors, on a regardé les notes comme des gros pressés. Donc, à partir de là, j'ai envie de vous dire, c'est parti. Allez. Premier paquet, pas des moindres, Duel au sommet. Darkrai. Vous connaissez très très bien, je pense, cette série. La série, enfin, une des séries phares des plus trouvables. Donc, c'est Des plus trouvables, ouais. une des moins rares. Donc, on est autour de 200 euros le paquet en loose pour du Duel au sommet. N'importe quelle illustration, j'ai envie de vous dire. Peut-être un peu plus le Darkrai ou les légendaires. On a évidemment les incorrigibles, hein, j'ai envie de vous dire. Les uniques, les fabuleuses. Palkia niveau X, Jalga niveau X, Darkrai niveau X, et Yes. pour les plus aguerris d'entre nous, il y a aussi la Cresselia niveau X. Mais voilà. Pour les plus courageux. Pour les plus courageux, mais voilà, c'est les trois cartes qui sont peut-être les plus cotées du bloc, C'est vrai j'ai envie de que dire. une des séries d'épée les peut-être les plus appréciées. Hein. C'est ça, en termes de cartes, en tout cas, elles En sont termes de cartes, magnifiques. ouais. Vous les avez juste dans le décor, au cas où, enfin, vous en avez deux ici, avec le Jalga et le Palkia. Mais voilà, ça se trouve là-dedans. Le premier paquet qu'on a, évidemment. Pas fameux, j'ai pas réussi à faire une upgrade. Il a eu du coup PSA 7, donc lui je l'ai en Exactement. double. Donc cette fois-ci on peut discuter s'il vous intéresse sur ça. J'ai regardé les populations parce que ça m'intéressait de savoir ce Ouais. qu'il y a mieux quelque part. Donc il y en a trois en tout et pour tout. Ouais. Normalement j'en ai deux et les trois sont en 7. Donc il n'y a pas mieux pour le Aucune moment. note supérieure. Je pense que Duel au sommet ça va être compliqué, peut-être pas très très bien Conservé. conservé comme vous pouvez le voir ici. Mais bon, Voilà. Après, ça une fois, arrive. oui, il va falloir que les gens envoient, qu'on envoie, et puis. Ça arrive, ça arrive. On va, ça va le faire petit à petit. Évidemment, après, on a le Jalga Ouais. avec sa pluie de diamants, avec une orbe adamant extraordinaire, là, qui brille vraiment. C'est mon paquet préféré de Duel au sommet. Oui, c'est la première fois que je préfère le Jalga Plus au que Palkia, Palkia. finalement. Oui, Ok. c'est étonnant. Ok. Mais faut être réaliste que vraiment, cette carte, est... enfin, cette carte, ce Cette paquet illustration. est une masterclass. C'est la pluie de diamants, en plus. Hein, vraiment, c'est... Oh là là, magnifique. Il y a eu 7, 7. malheureusement. Comme le Darkrai. Comme le Darkrai, malheureusement, le mien a eu 8 avant, donc du coup, je vais pas le conserver. Donc si vous avez des offres ou pas, que ça peut vous C'est intéresser, ça. n'hésitez pas. Cette fois-ci, c'est la première fois où vraiment les paquets vous sont accessibles, donc n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Si Ouais. on peut s'arranger, c'est avec grand plaisir. Tu vois, c'est pas les paquets qui t'intéressent parce que t'as les tiens en white. Effectivement, j'enverrai d'abord les miens avant de C'est ça. Puis au pire, on ira taper lancer. dans des blisters pour faire créer Exactement. des choses complètement logiques à On faire. tapera des Et blisters voilà. pour taper des blisters en neuf. En PSA 7, je pense qu'on est aux alentours des 300-350 euros. Ouais, ça me Voilà, sur semble pas ça aberrant. actuellement. Donc voilà, parce que ça peut être mieux. Mais voilà, donc ça c'est assez cool. Ensuite, ouh, là on est bien. C'est les paquets du coup que je vais avoir en double et lui t'es déjà réservé. On connaît le délire. Je connais. Il est incroyable. Il est incroyable, je trouve. Je l'adore. C'est ce Lucario D'épée de de DP de base. base qui est fabuleux. 2007, mine de rien. Qui est fabuleux, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Là, franchement, qu'un paquet comme ça. Il a tapé, attention, 9. PSA 9, voilà. Sur DP, c'est strong quand Donc même. ça, ah bah, sur des P du 9, je suis Sur. très content. Des P Voilà, bas, ça peut se il trouver. le sait. Il a Voilà. envoyé beaucoup de DP. 9, c'est quand même J'ai eu pour le très très moment un rare. seul 10, et j'ai eu un peu des 9, une flopée de 8, j'ai eu Ouais. quelques 7, et une déception à 6, mais je m'y attendais, c'est tempête, parce que c'est le paquet que j'ai pas respecté. Mais Mais une voilà. majorité à 8, on va dire. C'est ça. Mais voilà, donc très Oui. content pour ce petit Lucario, du coup, PSA 9. Du coup, moi, ça me fait mon Très double, sympa. et comme toi, au moins, il rejoint ta collection. Ça, Yes. c'est cool. Donc, hop, on Thanks. va. Bah non, j'ai du DP aussi. Voilà, ça, c'était d'anciennes réceptions. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'est vrai que je vais Ça va être commencer mon paquet DP et je préféré. commence grâce à Poképièce. Et là, les amis, Parfait. évidemment, Palkia qui est magnifique, avec un espace très dégagé. Vraiment, on dirait une journée ensoleillée, vraiment Au dans un ski. hiver, tu vois. Voilà, au ski, tout ce qu'on Ouais. apprécie. Il manquerait plus de mettre le casque. Le casque, il l'a, je pense, que le Palkia, mais il manquerait plus que les petites lunettes. Là, attention, ça apparaît tout de suite. Mais voilà, il est fabuleux, notre Palkia. Au ski, et il est incroyable parce que vous savez quoi? Qui dit Parce booster que fabuleux je les dit. avais, là j'ai les deux, donc comme vous voyez, donc un ici, sont tous les deux en PSA 8. Ce qui est déjà très bien. Sauf que lui, les amis, il a pas PSA 9, non! Il a Il a 10. PSA 10! C'est mon deuxième, je suis trop content! Bien joué. Parce que c'est les paquets que j'ai achetés en 2021, c'était des sorties de display, c'était du vrai sorti de display, là, pas comme vous voyez sur Vogue, sur Vogue, tout est sorti de display de toute manière. Mais là, c'était une vraie sortie de display bien connue, donc très très content. Bien joué. À ce moment-là, j'avais chopé, bah, là, ils proviennent de stock et tout, mais eux, ils étaient vraiment bien, je pense que ça a été un peu noté durement. Donc là, une belle revanche, surtout sur mon Pokémon légendaire préféré, 10 d'épée de base, c'est strong. hors les 3 elfes, enfin, évidemment. Bien joué. Mais voilà, donc ça, trop content.
Bravo. Ça, tu t'en doutes. Il va être remplacé juste ici, ce qui fait que le 8, on pourra en discuter. On pourra en parler. Sur ça. Ouais. Même si tu as déjà vu. J'enverrai les miens avant et en fonction, on s'arrangera. Donc, très content. Très très content. Mais DP sous PSA, je trouve que ça rend très très bien. Ah, c'est pour ça que je vais être obligé d'envoyer. Ah bah, c'est pas. J'ai été influencé. DP, tout le monde suit maintenant, évidemment, c'est le meilleur bloc. Avec, quand même, je suis obligé de reconnaître. Bah, c'est obligé. Celui-là, du coup, il est obligé de l'intégrer, mais sinon, il est mort, tout simplement. Sauf que, du coup, là, avoir un 10, c'est cool. Mais un 10 et un 8, c'est pas. Est-ce qu'en avoir un mieux, c'est encore mieux? Enfin, en 10, encore mieux. Être mieux, est-ce mieux? Là, voilà ce qu'on a, les amis. Est-ce qu'on est passé de 8 à 9? Le Jenga, il n'est pas terrible, mais on a le mont couronné quand même. Moi, je le trouve très très stylé, la posture. Il est sympa. Moi, je préfère la journée ski détente avec le Palkia que la randonnée raquette avec Jenga qui n'est pas terrible. Toi, t'es plus ski que raquette. Mais il est 10, donc je vais quand même faire un effort pour les raquettes. C'est une bonne partie de raquette quand même. Voilà, c'est ça. Donc là, vraiment, les amis, PSA 10, je suis trop content. T'as les deux en 10. Les deux légendaires de DP de base. Si tu veux les mettre côte à côte. Mama. Avec grand plaisir. Tiens. Hop là, les amis, regardez-moi. Je trouve que ça rend super bien, honnêtement. Quelle force. 10-10, bam, bam. Et du coup, vous les retrouverez tous les samedis dans ce décor. Dans le prochain décor. Voilà, donc ça changera. Donc je suis content des upgrades. Et on va faire ça après avec d'autres, éventuellement, je pense. Petit à petit. Petit à petit, j'ai encore du LL, j'ai des trucs à envoyer. Donc ça ne va pas s'arrêter, les amis. Calmez-vous. Ça va bien se passer. Et après. Ah bah oui. J'en ai envoyé deux. Je me souviens plus ce que j'ai envoyé, mais c'est pas grave parce qu'on commence évidemment. Je vous montre aussi peut-être le dos d'un paquet quand même d'épée de basse, pureté absolue. 4 décors évidemment à chaque fois. Donc là, la randonnée raquette. La randonnée raquette. Jalga. La sortie ski. La sortie ski. Ah ouais, la belle sortie ski. Regardez-moi ça. Ça, c'est de la neige. Ça, c'est pas mal. Et la promenade en forêt. Et la promenade en forêt avec le Lucario qui est le cueilleur champignon par excellence. Ah bah, il est très connu. Pour bien ramener les truffes après pour la fondue. Ça peut être pas mal. Et évidemment. Du coup, Electek qui est dans un décor incroyable. L'électricien. Très très sombre, je trouve, que j'adore. PSA 9, comme vous voyez, donc très content évidemment, parce que voilà, on a banalisé du 10. Mais dans ta collecte, tu l'avais déjà en 9, celui-là. Exactement. Ouais. Donc lui, il te revient aussi. Mais évidemment, parce qu'on s'est déjà arrangé. Quelle tristesse. Sur ça, mais ne vous inquiétez pas, parce que toi, tu prends évidemment le 9, parce que tu voulais bien, t'aimes bien Electek en plus. Oui. Et les câbles. Et les câbles, je le trouve hyper stylé. Alors, les câbles aussi, donc c'est mon mix préféré dans Thème. Donc mais moi aussi, voilà, bon problème réglé. Voilà, magnifique sur ça. Mais il y a quand même lui, alors évidemment, il est tapé. 8. PSA 8, donc disponible, hein, si vous intéresse, n'hésitez pas, @spockpsonsuite, on peut s'arranger, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, du coup, il est là. Mais c'est logique, hein, y a un petit défaut comme vous voyez juste ici. Ce qui est logique, en fait, la gradation a du sens. Hein, pour le coup, ça ne sort pas d'une autre chapeau ou autre, de nulle part. Donc ça, c'est très cool. En termes de cote, quand même, au cas où, sur des trucs logiques. Alors, PSA 10, je ne vais pas donner de prix sur eux. De toute façon, c'est pas la peine. Voilà. Pour du PSA 9, d'épée de base, n'importe lesquels, je pense qu'on peut tourner facilement autour des 450-500 €. Peut-être un poil plus, peut-être plus fourchette haute pour les Jalga Palkia parce que vraiment Pokémon d'anthologie. PSA 8, je pense qu'on va être autour plutôt des 400 €, voilà, parce que c'est le booster qui est gradé. Partant de base que le booster en loose vaudra environ 300. Ça peut être un peu plus, un peu moins en ce moment, à voir comment ça se stabilise, mais enfin, voilà, donc du coup. Donc 400 € tranche minimum pour le PSA 8 et le PSA 9 dans les alentours de 450-550. Si ça peut du coup. Suivant l'élu. Exactement. Okay. Enfin, je pense que c'est correct de dire ça. Ça me semble pas aberrant. Et bah écoutez, les amis, en espérant que cette petite vidéo vous a plu, on se retrouve très très vite, toujours pour du très très lourd. N'hésitez pas à vous abonner, à très vite. Peace!